Vous êtes nombreux à me suivre au pays et partout dans le monde. Comme vous voyez derrière moi, on est à l'EPA de Gombe, donc à l'Athénée de la Gombe, l'un des centres de vote de la ville-province de Kinshasa. Vous voyez derrière moi, il y a des gens qui sont assis depuis qu'ils sont là, depuis 6 heures, vu que sur la CENI avait prévu que les élections, le vote démarre à 6 heures et jusqu'à 7 heures, avec un faible commencement, soit début de l'opération de vote, les gens sont dehors ici comme pas possible. Il y a ceux-là qui sont déjà fatigués, qui se disent de pouvoir rentrer chez eux, mais il y en a encore d'autres qui sont là, qui espèrent encore voter. Et on ne sait pas jusque-là à quelle heure ça va se terminer. Certains d'entre eux nous apprennent que ça pourra prendre fin tard la nuit. Est-ce que le vote va se poursuivre même la nuit? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura un décalage? Est-ce que la CENI va pouvoir proposer à ce qu'on ajoute un jour de vote? Ça, je ne sais pas. Vous voyez derrière moi comment les gens ils sont assis, ils sont très fatigués. D'autres sont là, il y a des véhicules qui sont garés. Ça veut tout simplement dire qu'il y a des gens qui sont venus de trop loin avec des véhicules et qui attendent jusqu'à ce qu'ils puissent accomplir ce devoir qui est citoyen de voter. Alors, sans plus tarder, on se retrouve dans quelques minutes pour avoir plus encore de détails sur le déroulement de l'opération de vote ici en République démocratique du Congo.